Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur Tourna Kit. Alors aujourd'hui je vous propose la présentation d'un tout nouveau kit que je viens de me procurer. Et donc ce tout nouveau kit, il est de chez Bandai et c'est la Tumbler, donc la Batmobile de la version de Christopher Nolan. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite le contenu de cette boîte. Mais avant de commencer les amis, donc je vais vous dire où je me suis procuré ce kit. Ce kit, je me le suis procuré dans le magasin Brace Comics à Saint-Brieuc. Donc n'hésitez surtout pas, si vous passez sur Saint-Brieuc, à aller voir leur magasin. C'est vraiment un magasin incroyable. L'équipe est super. Et sinon, allez voir leur site internet. Allez, maintenant, on passe tout de suite à l'unboxing de la boîte. Alors, présentation de la boîte. Donc, première face, on a un visuel, donc... du tumbler vu de l'avant et une vue sur l'arrière. Ensuite, donc, on peut voir que c'est un kit au 1/35e. Et donc, c'est un kit de 2022. Donc, ça, c'était pour la première face. Donc, sur le côté, on a un visuel de la maquette. Descriptif de tous les détails de ce kit. Voilà. Ensuite, autre côté, donc on retrouve la même image que donc sur la côte, sur le dessus de la boîte. Ensuite, nouveau visuel de la maquette montée. Ensuite, on peut voir donc le contenu de la boîte. Donc, dernière face, même chose que sur le dessus. Et donc, derrière, il n'y a rien. Et bien, écoutez, on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Alors, attention, c'est parti. Hop. Alors, je découvre en même temps que vous, on a un sachet. Deux sachets, trois sachets, la notice, et donc deux sachets pour les pneus. Et bien écoutez, j'ouvre les grappes et on regarde ça juste après. Et donc voilà, toutes les grappes ont été enlevées des sachets. Alors je vais vous montrer rapidement. Donc là, on a les deux pneus des roues avant, donc en caoutchouc souple. Ensuite, on a donc les roues arrière. Donc, bien détaillé quand même. Ensuite, pareil, un caoutchouc souple aussi. Ensuite, je vais vous montrer donc cette grappe. Regardez un petit peu les différents détails qu'on peut retrouver. Donc, là, on voit très clairement les jantes. Voilà donc pour cette grappe. Ensuite, on va regarder celle-ci. Donc noir brillant. Pour cette grappe là, très clairement. Ensuite, nous avons cette grappe-ci. Pas mal de petites choses là.
pour bien détailler ce tumbler. Encore une fois, pas mal du tout. Franchement, avec Bandai, de toute façon, on n'est jamais déçu. Et enfin, la dernière grappe, c'est de vous montrer tous les petits détails qu'on retrouve sur les pièces pour constituer donc ce tumbler. Et c'est quand même vachement bien fait. Et donc voilà pour les grappes. Bah écoutez, on va regarder ensemble la notice de montage. Alors pour la notice de montage, donc, on retrouve le même visuel que sur la boîte. Ensuite ici on a le guide pour la peinture avec le résultat que l'on obtient. Franchement, ça rend vraiment bien. Ensuite, face arrière, donc les dernières phases du montage. Et donc petit dépliant. Comme d'habitude avec Bandai, hein. Récapitulatif des grappes présentes dans le kit. Et donc ensuite les premières phases de montage. Voilà. Quand même relativement bien expliqué. Rapide à monter, je pense. Et voilà ce que ça donnera arriver à cette étape. Alors, je vais retourner pour qu'on voit tout ce qu'il y a de l'autre côté. Là on est de l'autre côté, donc là la notice est un peu plus en couleur, ce qui est encore plus sympa. Donc on voit qu'on a quand même pas mal d'étapes. Et donc le résultat final est aperçu de ce kit. Et donc voilà les amis, pour la notice de montage. Et voilà donc les amis qui conclut la présentation de cet unboxing, donc de ce tumbler kit de chez Bandai. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à commenter. Et n'hésitez surtout pas aussi à activer la petite cloche de notification. Une fois que j'aurai monté ce kit à blanc, je vous ferai une petite présentation review. Donc je vous dis les amis, à très bientôt pour la présentation de ce kit monté. Et je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !